Audio Jungle. Mindset, mindset, c'est qu'on dit en français état d'esprit. Mindset, c'est votre émission qui vous apporte des informations, la culture et la connaissance. Aujourd'hui, votre humble serviteur Eddie Kamara qui vous dit déjà shalom, bonjour, bonsoir. Ça dépend de là que vous nous suivez maintenant. Pourquoi pas dire salut à vous tous. Bon, aujourd'hui, nous sommes au sein du musée national RDC. Nous sommes venus visiter ce musée avec une personne qui va nous accompagner. C'est le directeur général du musée national, monsieur Henri. Souvent, on l'appelle professeur Henri Bunjoko. C'est une personne qui a vraiment une grande connaissance sur le musée. Aussi, c'est un professeur à l'Académie des Beaux-Arts ainsi qu'à l'INEKIN. Aujourd'hui, ensemble, avec moi et vous, nous allons entrer à l'intérieur pour découvrir les musées nationaux de la RDC. Afin que nous puissions avoir la connaissance, la culture congolaise et aussi pour savoir les patrimoines culturels de la RDC. Raison pour laquelle je vous invite tous à s'abonner à la chaîne Feu Rouge TV, parce que c'est grâce à cette chaîne que nous avons pu avoir cette documentaire ou bien cette interview au sein du musée national. Raison pour laquelle je vous invite tous, venez vous abonner, activer la cloche de notification et aussi, pourquoi pas, partager ce lien à tous vos contacts, à toutes les personnes, afin que nous tous nous puissions avoir cette grande connaissance. Alors, suivez-moi à l'intérieur, nous allons visiter ce musée ensemble avec vous. Allons-y! Voilà, je suis voilà ici au sein de la première maison d'exposition. C'est une maison qui est consacrée à la musique. Et à côté de moi, nous avons avec le directeur Henri. C'est lui qui est le responsable, le directeur du musée, à qui nous allons essayer un peu de poser certaines questions qui va nous aider à comprendre l'essence, l'importance aussi du musée. Et c'est sa définition, pourquoi pas. Parce que beaucoup de gens connaissent les musées, beaucoup de gens ont entendu parler des musées, mais il y a moins de personnes qui connaissent les musées parfaitement. Et ici, nous sommes au sein du musée national de la RDC. C'est l'un des grands bâtiments des expositions, parce que c'est ici que les gens viennent visiter, savoir la culture de notre pays, savoir les patrimoines, savoir les choses anciennes que certains blancs ont eu à copier pour faire la modernisation ou bien la perfection de certains instruments. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Et je vais bien. Voilà, nous sommes ravis de partager avec vous aujourd'hui concernant les musées. Je crois que nous allons un peu essayer de marcher pour nous expliquer certaines choses qui sont ici, comme on voit ici il y a des tam-tams et tout. Mais avant de commencer, nous allons poser notre première question par définition. C'est quoi les musées? Oui, les musées, c'est une institution, c'est un lieu, c'est un bâtiment où l'on conserve des patrimoines. Le patrimoine, c'est l'héritage, n'est-ce pas? Le patrimoine d'un peuple, d'une nation ou d'une ville, on peut le faire aussi. Ici, par exemple, le musée est le dépositaire du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la RDC. C'est-à-dire que tout ce que nous héritons du côté matériel, tout ce que nous héritons du côté immatériel, c'est-à-dire des comptes, tout ça, que nos ancêtres ont légué, donc le musée est capable de vous le montrer, est capable de l'exploiter et pour que les gens connaissent effectivement que nous avons une culture. Et les musées conservent, pourquoi les musées doivent conserver ces patrimoines? C'est pour le présenter au public. Le présenter au public. Et quand on le présente au public, il y a une partie de la recherche pour les scientifiques et pour la recherche scientifique. Il y a l'éducation. Les élèves, les gens peuvent venir pour apprendre. Et pour, alors, il y a aussi la direction, il y a des gens qui viennent aussi pour se distraire. Alors, quand on vient, même si on vient se distraire, les musées deviennent maintenant un lieu de rencontre, de découverte, ou de plaisir, ou même de tourisme. Alors, et ici, pour nous, quand nous entrons au musée, c'est-à-dire en voyant nos objets, comme ce sont des objets qui viennent de nos villages, qui viennent de la tradition, ces objets-là
ont toujours un message et qui nous apportent, ont toujours quelque chose à dire sur notre culture, sur nos techniques, sur nos savoirs endogènes. Et c'est pour cette raison-là que, et cette raison-là que nous invitons les Congolais à chaque fois venir au musée apprendre. Vous trouverez, par exemple, le musée, des objets qui ont joué un rôle politique, c'est-à-dire qu'on a utilisé pour la légitimité du pouvoir. Et à ce moment-là, nous pouvons nous poser la question, quelle était la bonne gouvernance à cette époque? Vous trouvez des objets qui sont pour l'éducation, qui ont servi pour les initiations, qui étaient comme une école, des écoles de sagesse. Et maintenant, nous pouvons nous poser la question, comment on apprenait à cette époque? Et qu'est-ce qu'on apprenait effectivement? Vous voyez, donc l'école de musée, c'est une place où vous venez vous rencontrer avec votre culture, vous rencontrer avec les objets, vous rencontrer aussi les autres. Ok, donc c'est ça la définition du musée, comme le prof Henri l'a si bien dit. Nous continuons en marchant parce qu'on a vu, il y a une exposition, une belle collection, les aérophones. Alors, quand nous parlons des aérophones, ici nous parlons d'abord des instruments de musique. Ok. Les instruments de musique, eux, sont répartis en quatre familles. Ok. Nous avons des aérophones, des cordophones, des membranophones et des idiophones. Des aérophones, ça veut dire que ce sont des objets, en faisant vibrer l'air, ça vous donne des sons. C'est comme des sifflets. Des sifflets, oui, bien sûr, ça vous donne des cordophones, c'est en jouant sur, en pinçant la corde, ça vous donne des sons. Et les membranophones. Les cordophones, alors les cordophones? Oui, les cordophones, c'est juste à partir de la corde. Vous voyez que c'est la corde qui a une caisse, il y a une caisse où il y a la corde, hein, ça vous donne des sons. C'est comme la guitare. La guitare. Alors nous avons aussi des membranophones. Okay. Et des membranophones, vous voyez qu'on parle de membranes, c'est-à-dire il y a la peau. Okay. Et c'est en disant, en faisant vibrer la peau, ou en tapant sur la peau, ou en faisant vibrer la peau, nous avons les sons. Des tambours, tout ça. Vous voyez ici, il y a quelque chose d'exceptionnel également quand vous voyez ces différents tambours. Il y a parfois des tambours qui ont des symboles. Parfois, on me parle des graphismes. Vous avez la tête, vous avez la main, vous avez des formes géométriques, tout ça. C'est toute une histoire que c'est pour communiquer. Okay. Et maintenant, je voudrais revenir à la vraie définition de la musique pour nous. Okay. Est-ce que la musique africaine, elle est pour égayer, pour plaire à l'oreille? Je ne pense pas. La musique africaine, elle est là, disons, pour transmettre des connaissances, pour transmettre des savoirs, pour informer. Et la musique africaine traverse toutes les facultés de l'homme et elle intervient dans tous les cycles de la vie. C'est-à-dire que de la naissance à la mort, on peut utiliser toujours des histoires de musique. Okay. Par exemple, il y a une naissance. À la naissance, vous allez voir que les gens vont jouer la musique. C'est dans des jumeaux. Maintenant, quand quelqu'un grandit, il va à l'initiation. Et il y a les mariages, tout ça. Vous voyez qu'il y a des rites qui utilisent des instruments de musique et la mort également. J'ai vous entendu parler, vous dire que chez nous, la musique n'est pas simplement un son à crème à l'oreille, mais c'est communiquer une connaissance. Okay, vous êtes contre la définition de Jean-Jacques Rousseau qui a dit que la musique, c'est un art qui combine les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc chez nous, en Afrique, ce n'est pas simplement un art qui communique les sons d'une créole, mais c'est une connaissance qu'on transmet à une génération et une autre. Oui, effectivement, disons, les sons sont là. Mais est-ce que pour nous, on les combine pour que ça vous divertisse ou ça vous informe ou ça dit quelque... Les sons chez nous sont toujours accompagnés des gestes, de la danse, des paroles, tout ça, qui sont des paroles qui transmettent certaines connaissances. Et ça, les rythmes, c'est rythmé bien sûr, mais ces rythmes-là accompagnent toujours quelque chose qu'on informe, quelque chose qu'on voudrait apprendre. On peut chanter sur les épopées, on peut chanter sur des... Et vous allez voir par un griot, quand il prend par exemple les sitars, il commence à chanter, vous voyez qu'il y a des gestes et il parle, il vous dit, il retrace un peu l'histoire tout en faisant de l'apologie, tout ça. C'est une information qu'il veut dire. Wow. Ce n'est pas pour que vous puissiez venir là-bas, pour que l'oreille soit... Monsieur Henri, s'il vous plaît, on a vu ici un grand tam-tam. On voulait savoir, c'est un tam-tam ou bien c'est juste un bois très long qui nous explique certaines connaissances ou bien comment. Oui, effectivement, quand vous voyez ici, c'est des tambours, ça c'est la caisse de résonance.
Vous voyez la caisse de résonance. Là, vous voyez la peau qui est là, okay. C'est les membranophones. Mmh. Mais à côté, vous voyez qu'il y a aussi... Les fils. Non, ça, c'est les crocodiles. Les crocodiles, vous... dans le dessin des crocodiles. Crocodile. Et vous voyez maintenant, quand on met les crocodiles, est-ce qu'on parle seulement d'instruments ou on vous informe aussi par rapport aux crocodiles? Mmh. Donc, on parle aussi de quelque chose. Vous voyez, c'est comme ça que quand vous voyez un instrument qui a ces dessins figuratifs ou graphiques, vous devez vous poser aussi pourquoi, le sens, quel est le sens qu'on donne à cet tambour, qu'est-ce qu'il y a au juste pour qu'on puisse mettre... Et ça peut vous apprendre beaucoup de choses dans l'histoire. Dans l'histoire. Ouais. Parfait. On continue parce qu'on vient de voir ici un grand tambour qui a des dessins graphiques, des crocodiles et tout comme ça. Maintenant, nous allons voir la troisième partie de la musique africaine. Oui, maintenant, idiophones. Les idiophones, c'est avec ça des instruments que l'instrument lui-même vous donne les sons. Les sons. Quand vous prenez les dikembe, vous prenez pas les tambours à fente, vous prenez les xylophones qu'on appelle les madimba, vous allez voir que c'est l'objet lui-même qui vous donne les sons. Okay. Alors, c'est pourquoi on l'appelle idiophone. Idiophone. Et souvent, vous allez voir que ce sont des instruments qu'on utilise souvent pour la communication, pour engendrer certains sons qui accompagnent des rites, et ainsi de suite. Mais c'est pourquoi je vous disais que pour nous, la musique, donc la musique accompagne l'homme, et la musique accompagne les gestes, la musique accompagne la transmission de savoir. Savoir. Super. On continue. On vient de voir les idiophones. Il y a plusieurs sortes de collections ici. On voit, il y a certains trucs qu'on ne comprend pas. Prof Henri, ça c'est quoi? On veut savoir, parce que ça a une forme comme... Comme trapézier. Ok, on voulait savoir c'est quoi? C'est un drum ou bien Ça, on l'appelle tambour à fente. Tambour à fente, c'est-à-dire qu'il y a des maillots, nous on tape dessus. Et les gens, ça c'est souvent, ce sont des choses, disons, ce sont des tambours qu'on utilise en accompagnant la musique. Donc on marche avec le chef. Et vous allez voir que souvent quand vous allez chez les tétélas, les tétélas, vous voyez leur musique, c'est toujours quelqu'un qui chante. Alors c'est ça qu'ils utilisent. Et ça ne pèse pas? C'est ça qu'on appelle le locolé. Le locolé, ok. Ça pèse, mais le tambourinaire doit être aussi un homme. Fort, musclé aussi. Maintenant, ici, on a vu ça. Ça, c'est aussi le locolé. Alors, vous voyez aussi, il y a ce qu'on appelle des hochets. Il y a des sonailles, il y a des hochets, tout ça. Mais des hochets ou des grêlons, on peut les utiliser aussi comme une sorte de... C'est-à-dire, vous pouvez mettre des hochets. Et au bras, vous pouvez le mettre au genou, vous pouvez mettre, disons, à la hanche. Maintenant, quand vous chantez, ça donne l'harmonie. C'est comme ces dessins que vous avez mis là-bas. Bien sûr, nous montrons que ça, c'est porté. Alors, ça donne l'harmonie, c'est avec la musique. Et donc, à travers cette musique-là, accompagne certains événements. Donc, ce n'est pas comme par hasard, donc, c'est la musique, comme j'ai dit là. Donc, il y a toujours une musique qui est aussi une musique qui est rituelle. Et une musique qui est sacrée aussi. Et la musique sacrée, elle est là. Il y a de la musique aussi profane qu'on utilise. Est-ce qu'il y a des instruments appropriés à une musique sacrée ou bien il y a plusieurs sortes d'instruments qu'on peut utiliser? Un instrument peut être utilisé dans plusieurs musiques en même temps. Ça peut être sacré. Ça dépend maintenant de la musique qu'on voudrait faire et de celui qui joue ces instruments. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'on dise que puisque ça, c'est un instrument qu'on ne joue que quand. Mais il y a des instruments qu'on ne joue que quand il y a une information à transmettre. Par exemple, le tambour à fente qui est ici, que nous appelons un gong en bois. Celui-là, on ne le joue pas comme cela, mais quand on le joue, alors, ou soit c'est un événement de grande envergure, ça. Ou soit alors c'est pour transmettre des messages. Alors, comment on transmet des messages? Le message est codé. Donc, on fait ce qu'on appelle les relais. Donc, des villages en village, on transmet. Alors, il y a des gens qui savent comment coder, comment décoder les messages. Maintenant, nous voyons que cet instrument a une forme d'un animal. On veut savoir c'est quelle sorte d'animal. C'est le bélier. Le bélier. Et pourquoi le bélier? Vous voyez, quand le bélier ça te voulait traquer. Okay. Quand tu dois laisser une voix, vous sentez que la voix va très loin. Très loin. Et c'est pour montrer que non, c'est pour envoyer la voix très loin. Mais on joue ça avec quoi? Il y a des mailloches, mais nous avons enlevé. Pourquoi? Parce que des enfants. On commence à jouer avec. On tape par ici. Et ça codifie. Voilà, c'est magnifique. Vous voyez, nous sommes en pleine première maison du musée. Une maison qui est consacrée à la musique. Une maison qui est consacrée juste
à faire des expositions de musique ancienne. La salle d'exposition de musique ancienne, il y a plusieurs sortes d'instruments. Et vous voyez derrière moi, il y a des gens qui sont entrés pour visiter, pour voir. Et moi, je t'invite, toi qui me suis à la maison, venez visiter les musées nationaux et vous ne serez pas déçus. Le prof Henri a dit, les musées concernent des gens qui veulent divertir, des gens qui veulent avoir une certaine connaissance de la culture congolaise et aussi, pourquoi pas, nous qui sommes des jeunes étudiants qui on a besoin d'avoir une connaissance scientifique. Je vous invite à venir nombreux. Après ça, nous allons partir encore à notre salle de collection avec le prof qui va nous expliquer encore sur certaines représentations, certaines expositions qui vont nous aider à avoir une grande connaissance. Suivez-moi à l'intérieur.